Ok, donc ici, nous sommes sur un nouveau chantier. Voilà, d'une jeune femme du nom X qui se trouve aujourd'hui sur le territoire français. Et je vous affirme que les travaux avancent très bien. Avant-hier, on a dit l'incroyable est déjà passé. Il y avait des difficultés au niveau de la pente. Donc, ceci a retardé franchement les travaux. Et je vois que ceux qui ont pris l'engagement de faire les travaux ont vraiment une bonne expertise pour que tout soit dans les normes. Lundi, ils vont venir faire la charpente et ils vont mettre les tôles et vous allez voir. Donc, suivez-moi. Yves, maintenant, ce que vous allez faire, l'exemple, hein, note dans mon bien. Note dans mon là. Alors, qu'est-ce que tu vas à partir d'ici là? Ça là. Hein? Bah, ça sera coupé. On va faire ça comme pour Monsieur Bamba. C'est-à-dire, la femme sera comme pour Monsieur Bamba. Ce qu'on a fait chez Monsieur Bamba, là, hein? Ça veut dire, on ne peut pas tout remplir. Quand ils viennent, là, quand ils ont dit qu'ils vont tout remplir, là, les gars me parlaient de 800 000. Pour remplir ça pour que ce soit plat. Mais il est difficile aussi de faire un tecatepila par le bas-fond. Vous voyez? Donc, à partir d'ici, quand ils vont venir, à partir d'ici, ça veut dire, tu vois, non? 1, 2, 3, à partir d'ici, ça veut dire, ils font ça un creux, ils coupent. Ça, c'est un bloc. Tu comprends un peu? C'est un bloc. Et puis, ici, soit droit, bien plat. Et ici aussi, il suffit de remplir ici aussi, pour que ça soit un autre bloc, pour que ça soit plat. Est-ce que vous comprenez un peu? Mmh. Voilà. 1, 2, 3, 4. Dites-les de monter ici d'abord, en sable. En sable, ils n'ont qu'à mettre sable ici de manière urgente. Lundi, de manière urgente, lundi. On est d'accord? J'ai dit de manière urgente, lundi, ici, là, doit être rempli de sable. Voilà, ils ont fait tout possible pour remplir ça de sable. S'il faut au moins 4 à 5 personnes pour travailler, lundi, il faut, comment on appelle ça, mobiliser ces personnes qui vont venir dans ça plat, rapidement. On est d'accord? Après ça, maintenant, ils vont attaquer ici. C'est bon? Ok. Je pense que les ordres sont bien donnés. Hein? Si les ordres sont bien donnés, alors il faudrait que, voilà, aujourd'hui on est samedi 8, samedi 8, non, samedi 8, voilà, donc vous voyez, et je vous donne rendez-vous encore, voilà, d'ici une semaine, vous allez voir encore l'évolution des travaux. Ce qui est déjà fait, c'est bien. Regardez, quand je parle là, il y a la majorité des bâtiments sur lesquels je passe là. Hein? Quand je parle, pourquoi vos bâtiments, souvent quand les gens construisent, ça tombe. Souvent, quand tu arrives, quelqu'un essaie de toucher le bois même là, vous allez voir que le bâtiment commence à trembler. Pourquoi? Même si le vent arrive, souvent même là, ça emporte certaines fermes. Ou bien certaines fermes qui tombent. Vous voyez? Venez regarder. Vous voyez ça là? Venez, viens toucher dessus. Vous voyez quelle stratégie ils ont mis en place? C'est là, quand vous mettez le béton comme ça, là, vous attendez au moins une semaine pour que ça soit sec. Là, à partir d'une semaine, une fois qu'il est sec, le béton qui va garder le support, quel que soit alpha, le bâtiment peut durer pendant des décennies. Et c'est à l'instar de tout. Regardez ici. Même chose, hein. Voici ça. Même chose. Voilà. Mais le jour où ils ont mis ça, je pense que jusqu'à lundi, c'est prêt et les menuisiers vont commencer la charpente. Ils vont commencer à travailler en même temps. Les maçons. Non, je veux que les maçons commencent. Non, ceux qui vont venir remplir d'abord ici. Eux, ils vont faire. Après ça, maintenant, on va faire intervenir les menuisiers. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, 1, 2, 3, 4. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour que ici, là, soit au même niveau que le haut. C'est bon? Bien damé. On est d'accord? Une fois que c'est fait, on vient maintenant. On fait maintenant la preuve de Monsieur Bamba. Là-bas, hein? Et en fait, on dit, on coupe ça ici. Et puis encore, on essaie de tirer. Ça veut dire qu'ils vont faire de sorte que ici soit aussi droit. On est d'accord? Voilà. Donc, demain, c'est dimanche. Ils ne veulent pas venir. Donc, le lundi matin, très tôt, il faut les appeler, vous allez venir et puis travailler dessus. C'est bon? Voilà. Aujourd'hui, on est au 8. Quand ils vont dire à un certain moment, tout est fait.
les commandes que je suis en train d'effectuer là, ça dit ça est dedans. Voilà, on est en train de préparer ça. Ça dit les ventes de décembre là. Ça là, ça fait partie des ventes de décembre. Tu comprends un peu, non? Donc, il n'y a pas de quoi à faire. On a déjà tout commandé. Poussin, aliments, tout est commandé. Donc, voilà. Je pense bien que... Bon, une fois que les chaussures sont déjà placées, vous-même, vous connaissez. Ça prend plus de temps. Mais qui a laissé ces chaussures là-bas? C'est bon. Ouais, parce que tu es venu travailler. Tu penses qu'ils ne vont pas voler, c'est ça? Ouais, tu penses qu'ils ne vont pas voler, c'est ça? Oui, alors, papa? Donc, faut mettre ça dans l'enveloppe. Dès que je rentre à Abidjan, je te fais signe. Actuellement, je suis sur un chantier à Azagué. Je suis sur un chantier en supervision à Azagué. Voilà. Donc, dès que je rentre, je vous fais signe. C'est bon? Ok, merci. D'accord. Et puis, on dame du avant de faire, comment on appelle ça, la terrasse. Sinon, ça ne serait pas solide en tant que tel. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, le sable, où vous allez prendre? Je pense que c'est ça. Attends, je vais appeler la propriétaire pour voir. Tout le monde se repose demain. Tout le monde se repose demain. Mais quand on va entamer là, ne pensez plus qu'il y a une chose. Hein. Donc ça, mettez ça en tête. Allô? Comment ça va, madame? Allô? 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 Comment vous allez? Ouais, mais comme ça est pour le moment là, on a pris le chantier comme ça. Hein. Vous avez vu, ils ont commencé à... Regardez même le perceur déjà. Vous avez vu le perceur? Allô? Vous avez vu le perceur? Regardez le bois là. Hein. Regardez, vous avez vu le bois où c'était? Regardez le perceur déjà. Allô? 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 Voilà. D'accord. Après. Voilà, vous voyez un peu maintenant bien? Oui. Je ne vois rien, monsieur. Mais mettez appel vidéo. Ah, vous voyez maintenant? Je vois rien. Vous pouvez envoyer une vidéo? Non, vous voyez les supports qui sont allés là? Vous voyez les bois, les poteaux là? Allô? Allô? Donc tu vois, non, ici là, c'était un véritable trou. Voilà, tel que je vous avais expliqué. Donc les gens, voici où ils sont arrivés hier. Vous voyez? Regardez le perceur même. D'où ils sont arrivés. Regardez le perceur. Vous voyez? Regardez le perceur. Du bois là, regardez. C'est-à-dire le perceur, ça dépasse déjà même presque un mètre. C'est-à-dire ils vont remplir ça encore. C'est pas fini. Hein? Ils vont remplir ça encore. Mais ça n'exclut pas que les menuisiers travaillent.
Là, le travail de menuiserie commence lundi. Ils vont mettre la toiture et d'ici, ils vont finir la toiture, faire la chape. Dès qu'on finit la chape, hop, le travail est fini. C'est bon, donc c'est ça, je veux vous un peu. Et quand on n'arrive pas à s'entendre, voilà. Donc vous voyez, tout est déjà bien placé. Au niveau des choses, des supports, voilà ça. Voilà ça. Voilà, quand on a planté les supports, on a fait une fondation très solide. Si vous voyez bien, vous voyez, ça c'est du béton. C'est pas, on n'a pas planté ça à terre comme ça. Hein. Ça là, on a fait, comment on appelle ça, du béton. Or, quand vous faites ça au béton là, hein, ça peut faire des décennies. Je dis bien des décennies. Voilà, donc je suis fier des travaux qui sont effectués sur ton site. Et j'espère que... on a un bon résultat pour la semaine et pour l'autre semaine, les résultats aussi seront vraiment concluants. Donc vous voyez encore, tout ça, les supports sont bien secs, le béton ils ont mis dedans, tout le béton est bien sec. Donc actuellement, il n'y a pas de problème. L'essentiel est déjà entamé. Voilà, donc je pense que lundi, quand ils vont dire lundi jusqu'au samedi, on aura encore un rapport. Donc aujourd'hui, dès que j'arrive au bureau ce soir, je vous appelle et je vais vous faire un rapport du premier travail qui est effectué sur le chantier. C'est bon? C'est ce que je vous ai dit. Hein. Je dis, je fais un rapport par semaine. Donc, allô? Oui, on dirait qu'on s'entend pas bien. C'est pas grave. J'ai dit, par vidéo là, il n'y a pas de souci. Je vais faire des vidéos, je vais vous envoyer une vidéo. Voilà. Mais elle va sortir, ça va un peu. Je suis sur le chantier, je suis fier de leur travail. Je vous ai dit hein, que moi, à chaque une semaine, moi je vous fais un rapport. Donc, mais est-ce que vous pouvez patienter jusqu'à 21h? On va s'appeler pour que je vous fasse le bilan. Voilà, parce que chaque semaine, moi, je fais un rapport. Mais ce qui est là d'abord, je vais vous dire s'ils ont bien travaillé ou bien ils ont mal travaillé. Et puis en fonction de ça, voilà, vous voyez un peu.